Il est 14h à la maison de la nature de Hirtsfelden et des bénévoles préparent l'atelier qui servira à l'animation d'aujourd'hui. Observer et nourrir les oiseaux en hiver. Pour cette dernière, un membre de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, a été présent. Les espèces les plus menacées sont les espèces des milieux ouverts, c'est-à-dire pas les espèces de forêt. En forêt, il y a beaucoup de forêts en France. Pas les espèces urbaines, donc proches de la ville, dans les parcs, ça va. Ce sont surtout les espèces des champs ou des prés. Parce que les prés, il y en a de moins en moins. Quand je regarde par la fenêtre, j'ai dit tout à l'heure, bon sang, il n'y a rien de vert, il n'y a pas de prés, c'est tout brun. Après une énumération des espèces d'oiseaux que l'on peut apercevoir en France et une description de leur mode de vie, le public s'est dirigé vers l'observatoire. Après cette immersion en milieu naturel, retour à la maison de la nature pour un atelier sur la confection de boules aux graines de tournesol qui constitue un bon apport d'énergie pour les oiseaux en hiver. Il est important d'aider nos oiseaux à surmonter l'hiver. En cette saison, les nuits sont longues et froides. Il faut donc leur apporter de l'énergie toute la journée.